Nous sommes en février 2023, quelques mois après l'élection de l'actuel chef d'État de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud. La Somalie et ses partenaires, contributeurs de la mission africaine de la transition en Somalie, décident d'associer les troupes ATMIS et les forces armées et sécurité somaliennes afin de mener des offensives conjointes dans la guerre contre les Chebab. C'est ainsi que le numéro 1 djiboutien, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a participé le 1er février dernier à Mogadiscio, capitale somalienne, à un sommet de l'ATMIS dédié au lancement d'une phase nouvelle de l'action de l'instance militaire. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh eut aussitôt à sa descente d'avion un entretien en tête-à-tête avec son homologue somalien, Hassan Cheikh Mahmoud. Cette rencontre bilatérale s'est déroulée à l'hôtel décalé de Mogadiscio, abritant les travaux de ce sommet des pays membres de l'ATMIS. Le président Guelleh participe aux travaux de ce sommet de l'ATMIS aux côtés du président hôte Hassan Cheikh Mahmoud, du premier ministre Abiy Ahmed et du président kényan William Ruto. Cette nouvelle phase de l'action de l'ATMIS porte sur l'autorisation donnée désormais à ses contingents de concourir sur le terrain de guerre les forces armées et sécurité somaliennes dans leur lutte acharnée, de plus en plus couronnée de succès contre les terroristes d'Al-Shabaab. Les discussions de ce sommet ont été dévolues à l'appréciation et à l'approbation des plans intégrés des projets de combat élaborés par les ministres de défense, des chefs d'état-major, des pays membres de l'ATMIS et ceux en vue de leur offensive conjointe à mener désormais aux côtés des forces armées somaliennes. À seulement deux mois après ce premier forum qui prévoyait d'associer les forces de l'ATMIS et les forces armées somaliennes, la Somalie et ses partenaires, dont la mission de transition, se retrouvent à un deuxième forum sur le retrait des forces de l'ATMIS en Somalie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à Kampala, capitale ougandaise, à un sommet d'un jour des chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de la mission africaine de transition en Somalie, ATMIS. Deux thématiques essentielles ont été portées à l'ordre du jour. Il s'agissait respectivement de la prévention d'une mise en œuvre efficiente sans conséquences périlleuses à quelque partie que ce soit, aussi bien pour la Somalie que pour les pays contributeurs de l'ATMIS. Le forum a évoqué également l'identification de procédés stratégiques et multiformes permettant à la Somalie d'arriver à l'échéance de décembre 2024, fin du déploiement de l'ATMIS en Somalie. La Somalie renaît de ses cendres et prête à assurer sa sécurité. La mission de l'ATMIS prend fin en décembre 2024. Ainsi, les pays contributeurs de l'ATMIS accompagnent ce processus de relève. Ismaël Guelleh a pris part au 36e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui a ouvert ses travaux à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le 18 février dernier. Placé sous le signe de la poursuite des efforts liés à la mise en œuvre de la zone libre-échange économique et commerciale inter-Afrique, la ZLECAF, ce sommet affiche d'emblée ses objectifs dévolus à la réalisation des débouchés nouveaux de développement pour le continent, qu'il appréhende de plus en plus à travers le prisme d'une plus grande intégration des économies et populations du continent. C'est pourquoi il dédie un volet principal de son ordre du jour à l'analyse des défis à surmonter définitivement en vue de conférer à la ZLECAF les contours d'instruments diffus de développement sur tout le continent. Le complément de réforme a lui à joindre la poursuite des efforts dédiés à sa vulgarisation auprès des opinions africaines, le mécanisme de mise en œuvre institué au niveau de ses pays membres. Tout est prévu d'être abordé en la profondeur en vue de pallier au rythme non accentué d'expression et d'affirmation.
caractérisant encore la ZLECAF, le méga projet de reconversion pressenti pour le développement africain et adopté en mars 2018. Outre les questions liées au développement et à l'intégration économique, les principales autres problématiques dont la paix et la sécurité, l'aptitude à une résilience efficiente des pays du continent ont été également associées à l'ordre du jour de cette réunion. Mais nul doute que la nouveauté dans le cadre des travaux de cette 36e assise ordinaire de l'Union africaine a été marquée par le lancement annoncé de l'Agence panafricaine pour l'humanitaire. Il s'agit d'un mécanisme censé désormais incarner la solidarité intra-Afrique. Sa mission principale consiste à assurer un processus intégré d'assistance et d'appui multiforme aux sociétés du continent, notamment à l'issue d'épreuves exogènes et de portée mondiale, comme celles relatives aux crises climatiques, alimentaire et la santé. Dans la séance centrale de huis clos de ce sommet, le président de la République, son Excellence Simal Merguele, a fait une intervention fondée sur le partage d'expériences de notre pays par rapport aux thématiques en discussion. Entre autres exposés, il a mis l'accent sur la vocation établie de la République de Djibouti à fournir par le biais d'expertise élaborée par son observatoire pour la recherche et le climat, instrument moderne de traitement et d'analyse scientifique, un précieux concours à la nouvelle agence panafricaine pour l'humanitaire, dans ses travaux relatifs à l'établissement d'inventaires liés aux problématiques posées par le climat. Le président Guélé a pris part également à toutes les étapes de la cérémonie inaugurale précédant la réunion à huis clos des dirigeants du continent, la lecture des comptes rendus annuels de l'organisation, ses rapports stratégiques, notamment en termes d'évolution vers une autonomie financière totale, l'exposé de son organe phare, le Conseil de paix et de sécurité, dévolu à l'état des conflits et des différents politiques sur le continent, ont constitué les principaux temps forts de cette séance inaugurale, faisant ainsi de cette rencontre l'un des événements les plus importants de l'organisation pour l'année 2023. Événement qui a débouché sur l'intronisation du président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, à la tête de la présidence tournante annuelle de l'Union africaine. Il y a lieu de noter que ce 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent noir intervient dans un contexte de commémoration du 20e pour l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a procédé mardi 28 février 2023 à l'inauguration d'un nouvel complexe hôtelier à Tadjoura. Ce nouvel hôtel a contribué à accroître l'offre touristique de la région et l'émergence d'un développement intégré sur plusieurs secteurs connectant la côte avec ses magnifiques plages et la montagne gorgée des sites touristiques de la région de Tadjoura. Cette ville antique qui regorge d'histoire et des cultures du pays est une destination touristique incontournable qui attire non seulement les touristes mais aussi des investisseurs privés. Mohamed Burhan Gadile est un promoteur immobilier à chevronné de la région. Il est également initiateur du projet Gadile Palm Village qui constitue une trentaine de villas surplombant une corniche et jouissant d'une vue imprenable sur le golfe de Tadjoura. À leur arrivée sur le site de la cérémonie, le président de la République et la première dame ont été accueillis par le ministre du Commerce, Warsama Mohamed Dilié, ainsi que plusieurs hauts responsables du pays. Cette inauguration a servi d'opportunité pour les habitants de cette ville pour réitérer leur attachement au leadership politique du président. Fatoné, abonné à la maane, pour un au coup.
solanta pele urda billo isele gadile la madaw migaifo isele rasulanta pele urda billo isele gadile la isinabto migaifo isele gadile. Après la coupure du ruban qui a marqué l'inauguration officielle de l'hôtel Gadilé Resort, le chef de l'État s'est dirigé vers la grande salle qui abritait la cérémonie inaugurale. Un nombre important d'officiels djiboutiens étrangers, dont les membres du gouvernement, du parlement et des représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités auprès de notre pays, ont pris part à cette cérémonie. Cet hôtel 4 étoiles constitue une véritable aubaine pour stimuler l'économie locale et contribuer donc à la création de nombreux emplois pour les jeunes. Dès l'ouverture, l'hôtel employait déjà 60 personnes à temps plein et une centaine de façon indirecte. Conçu avec une architecture unique et hautement moderne, ces joyaux hôteliers du Sud répondent au mieux aux attentes de la clientèle touristique en vue d'offrir un service des standards internationaux qui dispose de toutes les commodités pour honorer ses ambitions et rivaliser ainsi avec les grands hôtels régionaux. Cet établissement hôtelier 4 étoiles est doté d'une soixantaine de chambres spacieuses. L'hôtel répond également au secteur des affaires grâce à ses différentes salles de réunion, sa salle plénière et son espace réceptif pouvant accueillir des séminaires d'entreprise ou des conférences. Avec ses 60 chambres situées sur la rive du golfe de Tadjoura, cet hôtel est l'établissement touristique par excellence, un établissement de luxe composé de chambres avec des équipements de qualité, une grande salle de cinéma, des salles de jeu, des marinas, des restaurants somptueux et raffinés, des piscines, des salles de conférences, des salles de gym et ainsi que plusieurs autres services haut de gamme. De ce fait, en introduisant l'exigence du confort et de la qualité des services dans les offres touristiques de nos régions, c'est toute l'industrie touristique et des loisirs de notre pays qui est ainsi stimulée. Cette cérémonie d'inauguration de l'hôtel Gadilé vient de compléter les grandes réalisations qui s'inscrivent dans les efforts du chef de l'État en vue de promouvoir les investissements privés, en particulier au niveau des régions de l'intérieur, pour impulser un développement à la base. La cérémonie inaugurale s'est clôturée avec la signature du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, du livre d'or de l'hôtel. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, était présent à la cérémonie de couronnement du roi Charles III du Royaume-Uni qui a eu lieu à l'abbaye de Westminster à Londres le 8 mai dernier. Le sacre du roi, mené par l'archevêque de Canterbury, où on lui a remis les régalias, symbole de son pouvoir, scellé à sa fonction en tant que chef de l'église anglicane et roi du Royaume-Uni ainsi que du royaume étendu du Commonwealth. La cérémonie adaptée à la diversité de foi et de culture du peuple du Royaume-Uni fut un moment de festivité et de célébration historique pour ce peuple et la communauté internationale, 70 ans après la célébration du couronnement de la reine Elisabeth II. Le président s'est joint à de nombreux dignitaires pour exprimer de la part du peuple djiboutien et en son nom personnel des vœux de réussite et de prospérité pour ce nouveau règne de Sa Majesté le roi Charles III. Enfin, le président, par sa présence, a également réaffirmé son attachement à la belle et longue amitié britannique djiboutienne qui le sûr fera que continuer de grandir sur le règne du roi Charles III. À l'issue de la cérémonie, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, s'est rendu au palais de Buckingham pour une réception en l'honneur des célébrations du couronnement du roi Charles III. Au cours de la cérémonie, le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a rencontré le chef du gouvernement britannique, le Premier ministre Rishi Sunak. Au cours de cette réception, le président et le Premier ministre britannique ont réitéré leur détermination à poursuivre et à approfondir les relations qui existent entre la République de Djibouti et le Royaume-Uni. Au palais de Buckingham, le président a également rencontré la princesse de Galles,
Kate Middleton et la princesse Anne. Le chef de l'État a transmis les félicitations du peuple de Djibouti pour le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III et à la reine Camilla. Il a également partagé ses vœux de bonheur et de prospérité pour ce nouveau règne en réitérant son attachement et son désir d'approfondir les relations bilatérales qui lient nos deux nations.